Bonjour, internautatrices et internautateurs. Le clan des jeux du cygne, pardon, le clan du cygne noir, excusez-moi, se retrouve à Geldenbourg. Notre village commence à ressembler vraiment à quelque chose. Et voilà, donc finissons de mettre en place de vraies défenses. Après quoi, eh bien, nous allons sans doute nous étendre un peu vers le sud, déplacer un peu l'atelier afin de pouvoir agrandir le frigo. Il est quand même un peu petit tout. Alors, la coiffeuse en bois, Célestine. Bien le transporteur des blocs. Hop. À me faire du ménage sur des zones où j'en ai rien à faire. On va voir ce à quoi sert la coiffeuse et comment est-ce qu'on s'en sert. Alors, entrée d'assistant. Arcotechnicien, premier de pacte d'Anout, a besoin de bras supplémentaires pour l'aider à bâtir une colonie. Ouh ! Prêter deux colons pendant 9 jours. Hein ! Gastro-analyseur. Un plan améliore les sens de l'odorat. Ouais. Micro, blablabla, rien que ça. Peut sentir une richesse inconnue. Cuisiner plus efficacement l'ensemble. Et ben, un pack de boucliers. Un bouclier bas portable à usage unique, déployé au sol et génère un bouclier circulaire qui permet aux balles de sortir mais pas d'entrer. D'accord. Bon, écoute, un peu de bonne entente, pourquoi pas. Là, pour l'instant, j'ai pas des besoins qui sont considérables. J'enverrai Papillotes, puisque c'est le... Et sans doute Mangazor. Je pense que j'ai envoyé Papillotes et Mangazor. Ah, minerai d'argent, ça c'est cool. C'est cool. Ça fait des choux. Alors, Célestine. D'accord. C'est rigolo. Ah, c'est là qu'on change la couleur des vêtements. D'accord. D'accord, et en fait, selon que... C'est intéressant. Alors, si je regarde, sa couleur préférée, c'est ça, c'est le gris. S'il y a plus de 60% de vêtements dans cette couleur ou dans la couleur de son idéologie. D'accord. Ok, donc... Donc c'est là qu'on change la couleur. Et alors au niveau de l'apparence, la couleur pour comme ça, c'est rigolo. Hey, ça consomme des colorants. D'accord. Tatouage de visage. Et alors c'est quoi du coup? Célestine ne sera pas satisfaite de ce qui suit cheveux. C'est ça, voilà.
D'accord, ça lui plaisait pas. Par contre, tous les autres, elle a pas de soucis. Eh ben, tu vas te mettre en... Qu'est-ce que tu vas prendre comme coiffure? Coiffure. C'est notre grand-mère un peu, hein. Donc on va lui donner un tout petit peu une coiffure de grand-mère. Si votre grand-mère est coiffée comme ça, j'espère que vous me... Enfin, si votre mère ou votre épouse ou compagne est coiffée comme ça, j'espère que vous me pardonnerez. Ouais, c'est un peu la grand-mère, on va lui donner un petit chignon sur la tête. Avec les cheveux gris, hein. C'est notre grand-mère, avoir les cheveux un peu blancs. Allez, c'est notre grand-mère, les cheveux blancs. Accepté. Alors du coup, est-ce qu'elle a bien changé? D'accord, elle va chercher du coup les vêtements. Formidable. D'accord. Ok. Et elle se coupe les cheveux. Très bien, c'est rigolo. Et elle se teint les cheveux derrière. C'est rigolo. Donc, est-ce que j'avais... Non, j'avais pas encore accepté. Allez, hop. Envoie-moi ta navette. La navette est arrivée. Donc, on va envoyer Papillote et Mangazor. Allez, ouf. Et j'ai terminé l'usinage. Fabriquer des armes et des machines pour déchiqueter les mécaniques de mort. Je voulais faire de la binouze. Parce que quand même... J'ai plein de houblon et je n'ai pas de quoi m'en servir, c'est un peu triste. Qu'est-ce que tu fous? Onyx, tu t'ennuies? Pourquoi tu t'ennuies? Ah, c'est que... Et voilà. Donc pendant 9 jours... Nos deux compagnons vont être partis. Alors du coup, bah, il faut que je teinturlure tout le monde, quand même. Ça me semble indispensable. Hop, va changer de style. Va changer la couleur de tes vêtements. Et tous en pourpre. Hein. Hop. Tac. Broudaf, pareil. Oh, les amis peuvent se faire en plus de la barbe. Allez, couleur de l'idéologie, tous en pourpre. Ouais, du coup, j'ai un peu interrompu Onyx dans son travail. Et on est tout rouge. Par colorer tes vêtements. Hop. Bien. Une peste sur le dromadaire. Ben ça, c'est quand même bien dommage. Onyx. Va me soigner. Va me soigner ce bestiau. Plutôt que d'aller chercher les cailloux. Bien raisonnable, Célestine. Ah zut, du coup, j'ai arrêté ma cuisinière. Malvinette au petit réveil, qui va me chercher.
Un fournisseur militaire, mais j'espère qu'il sera mieux achalandé que le précédent, hein, parce que franchement, c'est une honte. Alors du coup, tu vas d'abord aller là. Ah, c'est un petit peu mieux quand même. Casque de samouraï, carrément. Oui, c'est nettement mieux. Je vais pouvoir un peu dépenser mes sous. C'est pas ouf, mais c'est quand même nettement mieux. Des médocs, j'en ai déjà 26. Mais... bâton en Eltex. Waouh, putain, comment c'est cher. Ouais, ça c'est des trucs de fin de jeu. Vu le prix 2422. Je pourrais m'en acheter, mais en même temps, c'est pas au corps à corps que je suis le plus fort. C'est en tir. Donc je vais prendre. Ouais, c'est un peu tristoun, mais. Un pistolet automatique. Je vais pouvoir prendre des protections, ça c'est pas trop mal. Casque de samouraï. Armure lourde avec un ordinateur. Ah, avec un ordinateur intégré et des plaques de plasticite, c'est une couche. Coûteuse et magnifique. Une pièce d'armure de prestige comme celle-ci, généralement conçue pour les personnages de haut rang. D'accord, et finalement, on a le texte. D'accord, donc c'est les. C'est des armures de haut niveau. La cataphracte, normalement, c'est aussi. Ouais, c'est. C'est les armures de haut niveau qui sont disponibles avec le avec l'extension, enfin avec Royalty, je crois. Bon, j'aurais préféré des armures, mais le pantalon renforcé, c'est pas dégueu. Du coup, ça, je pense que je vais les revendre, c'est un peu con les avoir achetés, mais tiens. D'autres pétards. Est-ce que je prends les médocs? Ouais, je prends les médocs. Je vais prendre un casque. Je vais prendre un deuxième casque. Je vais pas prendre ces trucs-là. C'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup trop cher. J'imagine que ça fait le taf, hein, mais. J'aurais préféré des armes à distance. Mais même la plus belle des jeunes filles ne peut donner que ce qu'elle a, hein, à ce qu'on dit. Je vais me prendre un autre revolver. Il me restera un petit pécule. On fera avec. Tac. Hop. Et donc, maintenant que tu as fait ça, Malvinette, tu vas changer de style. Aux couleurs de l'idéologie. Oui. Et tu te nourriras après ça. L'idéologie avant tout le reste. Il reste Ardarine. Oh, Ardarine, il s'équipe sérieusement. Va te changer d'abord. Ah, pas réinitialisé. Allez. Forcé, ça vous plaît ou pas? Ah, Célestine préfère un casque à son
Oui, c'est un peu logique en même temps. Un énorme monument encore. Et j'en ai déjà un. Entraîneur psychique. Une bonne hyperfibre. Ah, mais c'est pour un autre clan, d'accord. Et écoute, normalement j'ai ce qu'il faut, hein, largement. Une hyperfibre, c'est... Ou bonne entente, je m'entends comment avec le bof. Allez, go pour... Construisons un autre monument. Ah, il n'y a pas la même forme. À côté. L'un à côté de l'autre. Tiens, j'ai même pas regardé le texte. Honorer le travail des villageoises. Bon. Soit. Honorons. Ouais, Malvinette, elle préfère sa burqa. Ouais. Mais normalement, t'es pas jouasse dans ce cas-là. Le bœuf est pas ouf. Le bœuf est pas ouf pour les couleurs. Bon, c'est un peu normal. Hein, mais... Ça va quand même sur le moral. Dors seul. Ah, mais oui, suis-je bête. J'ai un couple et j'ai oublié de les maquer. Onyx Bondaf, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Onyx et Broudaf. Toi, tu vas aller là. Il faut que je fasse un nid double. Un bouquetin enragé. Je pense qu'il va souffrir, le bouquetin enragé. On va déjà faire tout le tour. Ah, 11 médicaments en plus, bah écoute. On va pas se plaindre, hein. Voilà, le bouquetin enragé, c'est fini. Ça me fait un peu plus de bidoche. Alors, ça, on le déplace. Tac. Ça, on la déplace. Merci, ma lunette. Onyx. C'est pour installer ton mari. Mobilier. Je le fais en quoi? En bois ou en... Je pourrais le faire en marbre. En marbre, il double en marbre. Un peu plus classe. Ah, un raid. Ils se préparent un certain temps. Combien sont-ils? Alors. Ah, on commence à avoir de l'équipement un peu correct là. Moi-même, donc c'est là où il faudrait. Ah, donc, il faut que j'installe mes pièges. Alors, ça tombe bien qu'ils prennent leur temps. Toi, tu vas tout de suite aller me construire ça. Et puis, il faut que je mette les pièges. Donc, c'est le principe. Hein. Tac. Histoire d'avoir le moins de combats à faire.
bien entendu, cette technique ne marche pas le jour où vous avez des adversaires qui vous tombent dessus depuis les cieux, ce qui arrive tôt ou tard. Hop. Voilà. Bon. Déjà, si j'arrive à faire ça, Malvinette, je voudrais que tu te mettes... Ce qu'on va faire, je vais lui dire de se mettre en tenue comme celle qui combat le plus, en tenue de soldat. Broudaf, c'est quand même... Non, c'est pas Broudaf le soldat. C'est Ardarine et Célestine également. Donc, Ardarine en soldat, Célestine en soldat et vous deux en ouvrier. Hop. Donc, le temps qu'il arrive, normalement, je devrais avoir le temps de m'organiser. Par où il va passer? Il va passer par le nord. Ou pas? Pas sûr. J'ai récupéré aussi quelques armes qui sont sans doute meilleures que ce que j'ai. DPS avec accuracy. Par exemple, j'ai un revolver médiocre dont je pourrais fort bien me passer et mettre le pistolet automatique à la place. Alors c'est gentil de semer du lys, mais c'est peut-être pas le plus urgent. Alors, les étrangers lancent l'assaut et Malvinette est en train de donner à bouffer, tout va bien. Je vais vous mettre tous en constructeur priorité. Ils étaient tous les tous en 3. Et toi tu vas. J'ai besoin que tu me fasses rapidement le travail de transport au max. Ouais. Avant de t'occuper de faire de la bouffe. Non, je veux que tu me transportes ce genre de conneries. Et rapidement. Tu comprends pas non rapidement. Ils sont... Ah, ils se sont séparés. Bon. Ok, le troisième. Attention. Vitesse max, c'est toujours un peu dangereux. Bon. Alors, Onyx, tu vas te planquer, s'il te plaît. Célestine, pareillement. Broudaf, pareillement. Ardarine, moins pareillement. Tu es un peu mieux protégé. Et Malvinette, par là. Puis, voilà, ça c'est parfait. Et là, tu recules. Bim. Il m'en manque un. Ardarine, qu'est-ce que tu fous? Boum! C'est un peu un échec.
Ouais, là, le problème, c'est que ma binette, elle se fait... Elle doit être un peu protégée. Alors, Darin, ça fait défoncer aussi. Bon, c'est un échec. On va dire qu'il y a des situations que j'ai mieux gérées que celle-là. Alors, on va essayer de ruser autrement. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Onyx, tu vas rester là. Non. Onyx, tu vas aller là. La merde, putain. J'ai géré les choses n'importe comment. N'importe comment. Bon. C'est un moyennement grand succès. Démobilisons. Hop. Récupérons tout ce qui est récupéré. Transport rapide de tout sauf de vous deux et vous allez pas bouffer, non, vous allez secourir. Bon, quelle merde. Là, c'est là qu'on voit quand même, parce que mine de rien, Malvin, oui, je me suis pris plus pris des tirs de ma mitrailleuse que. Bon. Hop. On va aller faire un peu de commerce. Ah oui, t'as. Est-ce que je peux récupérer là? Bon, j'ai pas tendance à tomber malade, donc ça va. Tiens, qu'est-ce que je peux te revendre? Des trucs médiocres. Normaux. Non, la capuche, je garde, capuche et cap, normalement je garde. Je vais pouvoir leur filer mon revolver médiocre. Les schémas techniques de bof. Bon. Les médocs, je risque d'en utiliser quelques-uns. Et la pénoxicilline, quand on en a besoin, on est content de l'avoir.
Quelle merde! Ça, j'imagine, j'ai un temps limité pour le faire. Cette construction est 15 jours après avoir accepté la tâche, ça devrait aller. Bon, tout le monde est blessé, tout va bien. Quand tout le monde est blessé, je mets tout en pause. Jusqu'à ce qu'il y ait des choses un peu intéressantes. À plus. Eh ben, aussitôt dit, aussitôt fait. Ça faisait pas 30 secondes que je m'étais arrêté. Que je me retrouve avec un nouveau raid. Alors, heureusement, eux ne sont que 3. Mais, vu l'état de mes troupes, Malvinette, tu vas aller convertir déjà. Ah ben non, ils sont pas là. Tu vas rapporter ça en vitesse, puis ça. Sachant que la notion de vitesse ici va pas être ouf. Onyx. Toi aussi tu vas m'apporter ça. Déjà, non. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Toi, tu avais perdu ton arme. Ardarine, va récupérer ta mitrailleuse. Célestine, t'as ton arme. Broudaf, t'as plus d'armes. Je veux que tu prennes ça. Onyx. Ils sont équipés comment? Pistolet, pistolet mitrailleur et grenades. Ah, c'est des grenades UM, ça va. On peut pas dire que je sois. Plein de. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer en mode commando. Toi, tu vas aller là. Non. Broudaf, tu peux te mettre un peu plus loin. Et puis là. Non, tu vas te planquer, Broudaf. Onyx, qui est en forme. Tu vas te mettre par là. Par là, puisque tu tires devant. Allez. Hop. Oh, t'es sérieux? Mais quelle merde, mais c'est pas possible! Ah non, tu vas pas essayer de me kidnapper avec ma lunette! Non mais c'est hallucinant!
non, je suis pas d'accord. Oh là là. Mais non! La vitesse à laquelle il va, c'est vraiment... Oh non! C'est trop la loose! Ouais, en plus, il a rien bouffé. Bon, eh ben, il va falloir aller rechercher Malvinette, mon dieu! C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol du tout, du tout, du tout, du tout. Et Célestine qui a... Putain, mais quel con. Mais quel con. C'est pas possible, bordel. Mais quel con. Ah, que ça m'énerve. Bon. Et ben on va arrêter l'épisode ici sur cette, cet échec maximum. Lui, il faudrait peut-être qu'il mange aussi. Non, il va pas être content. Allez, on s'arrête là et la suite au prochain épisode. À plus.